parler de ce livre. Donc c'est Le duel des génies de Sophie Doudet aux éditions Scrinéo. Donc c'est un roman biographique. Bien que certains faits soient inventés par l'autrice, parlant de Michel-Ange et de sa rencontre et confrontation avec Léonard de Vinci. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Michel-Ange, c'est un artiste, tout peintre et sculpteur, qui a entre autres peint le plafond de la chapelle Sixtine. Et puis Léonard de Vinci, c'est un plutôt peintre et aussi inventeur qui a peint la Joconde, entre autres. Et du coup, ça va raconter leur rencontre, au début amitié, et puis après ça va se compliquer. J'ai bien aimé ce livre parce que le sujet m'intéresse bien. J'aime bien cette période de la Renaissance. Et en plus, c'est bien écrit. La lecture est assez fluide. Et puis on ressent bien ce que ressent Michel-Ange, on est bien plongé à l'intérieur, ce qui, malgré le fait que ce soit un personnage historique, célèbre, connu de plein de monde, et malgré ça on arrive quand même bien à se projeter dans lui, dans ce qu'il pense, dans ce qu'il ressent. Et puis voilà.